Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour ceux qui cherchent de l'éclairage photo ou vidéo, puisque Newer vient de m'envoyer ce petit pack. À l'intérieur, il y a deux panneaux LED qu'on va découvrir tout de suite ensemble, mais après cette petite intro. Attaque directe au portefeuille, ce pack coûte 77€ sur Amazon au moment où je tourne cette vidéo. Je sais que le prix peut monter et baisser en fonction des périodes, donc comme d'habitude, de toute façon, en description, vous avez le lien du produit. Pour 77€, qu'on se le dise tout de suite avant d'ouvrir le paquet, ça reste de l'entrée de gamme pour de l'éclairage. Alors le colis, il arrive comme ça, dans ce carton, on voit Newer écrit sur le dessus. On va l'ouvrir. Et la première chose qu'on a, c'est les deux panneaux LED avec les télécommandes. Donc, on a un panneau LED sur la gauche, un panneau LED sur la droite, avec l'alimentation en USB, une télécommande sur le fil et les deux télécommandes au milieu. On a une blanche, une rouge, si je dis pas de bêtises. Alors là, on a une télécommande blanche. De l'autre côté, je devrais avoir une télécommande rouge, si c'est le cas, je vous le montre un peu mieux après. Là, je veux juste vraiment vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je sors ça. On va le mettre là pour pas abîmer. En dessous, on a la paperasse. Donc de quoi lire, pour ceux qui viennent lire. Et là, ça doit être les filtres de couleurs d'ailleurs. Je crois qu'il y a rouge, jaune et bleu. Alors, je ne suis pas trompé. On a les deux rouges, les deux jaunes et les deux bleus. Alors déjà, ils ont l'air assez solides, ils ne sont pas tout fins. Ça c'est cool, je vous montre après comment ça marche avec les lumières. On a encore un carton. Ah non, on a juste un petit carton posé dessus. Et en dessous, on a les trépieds. Alors, vous voyez peut-être pas grand-chose. On va sortir un. On a deux petits trépieds. Donc, on a deux petits trépieds. Tout simple. Je vous dis après ce que j'en pense. Là, je vous le fais rapide. Le deuxième trépied. On a ensuite les têtes sur rotule. Alors pareil, j'en ai qu'une seule pour l'instant, si j'y arrive. Oh. On a la tête. Alors on ne la voit pas bien, je vous la remontre après. Hein. On en a deux. Et là, ça doit être des barres d'extension, je pense. Ah ben non, c'est deux trépieds un peu plus grands. Donc on a là un deuxième trépied un peu plus grand. Alors celui-ci, on peut l'agrandir. On va voir de combien après. Donc voilà pour le déballage, pour le contenu de ce pack. Il y a le deuxième qui est ici. Maintenant, on va voir un peu le côté technique et surtout, je vous les montre une fois monté. J'ai rangé un peu tout ce que j'avais sur la table. Du coup, j'ai gardé un trépied, une rotule, bien sûr le panneau LED et les filtres de couleur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter déjà en premier la rotule sous le panneau LED. Alors on a le pas de vis, tout simplement, on va venir le visser. Voilà. Là, je vais faire la même chose avec le trépied. Pareil, on a le pas de vis sous la rotule. On a la vis au-dessus du trépied et je vais venir visser. Hop, déjà ça commence mal. Le pas de vis, il n'a pas l'air top. Voilà, ça y est, ça va. Donc je viens visser, c'est aussi simple que ça, c'est assez rapide à mettre en place. On est bon, on est prêt, il n'y a plus qu'à brancher. Donc là on a notre diffuseur qu'on peut enlever, remonter, et nos gélatines qu'on vient glisser juste devant. Est-ce que je vais réussir? Ouais. Ça aussi c'est hyper simple, si on veut la changer, hop, on la change, on passe en rouge. C'est un peu galère à faire entrer, une fois qu'il est rentré, ça a l'air de bien passer. Donc voilà, tout simple. Un petit peu technique. On va parler un peu technique, je vais relever ça. Donc en dessous, on a 66 LED pour une température de 5600 Kelvin. L'intensité est réglable avec la télécommande filaire ou une des deux télécommandes sans fil. Que dire de plus ? On va pas se mentir, c'est vraiment de l'entrée de gamme.
Le trépied, il fait un peu peur. Il est en plastique et je suis pas sûr qu'il va. Hop, d'ailleurs, ça aussi, c'est pas très pratique finalement. Ah, si, il y a une fente. Ouais, c'est en plastique, ça a pas l'air très très solide. Disons que, à part ces petites lumières, je mettrai rien dessus. Pareil pour le trépied qui est là. C'est dans le même plastique. Franchement, j'ai même un peu peur de le serrer. On va pas se mentir que c'est pas de la grande qualité, mais en même temps, pour le prix, on peut pas en demander plus. Au niveau du trépied, donc on a celui-là qui est assez petit. C'est bien pour poser comme ça sur un bureau, éclairer une petite scène ici. On a ce trépied ici qui va tout simplement venir s'agrandir. Il passe de 64 cm à 1,49 m. Donc ça fait une assez belle hauteur, bien sûr. Pareil que pour le petit trépied, ne me mettez pas des gros trucs lourds. Vraiment, là, la petite lampe LED, c'est largement suffisant. Pour ce qui est de l'utilisation, encore une fois, c'est très simple. J'ai ici mon petit panneau LED, j'ai mis un petit filtre jaune, j'arrive plus à le remettre. On a l'alimentation en USB. Donc bon, j'ai pas d'effet pour l'instant, pas besoin. J'ai ici une batterie externe. Alors j'aurais pu prendre un petit embout de chargeur de téléphone et le brancher sur le secteur. Pour la démo, on va utiliser la batterie externe. Donc, je sais pas si il va tenir le micro. Non, c'est pas grave. Je branche tout simplement. Si je mets à l'endroit, c'est mieux. Ma batterie vient de s'allumer. J'ai ma petite télécommande filaire. J'appuie. Ça s'allume fort. On peut régler l'intensité. Est-ce qu'on l'éteint? Alors, on ne l'éteint pas. Pour l'éteindre, il faut vraiment appuyer sur le bouton on-off. Par contre, on va pouvoir remonter. Alors, on va compter l'écran d'ailleurs. Donc là, je suis au minimum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 crans. Donc on peut régler l'intensité de 10% en 10%. Alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ah, et si on reste appuyé, si je reste appuyé, il monte aussi. Donc franchement, c'est quand même assez puissant. Donc très très simple à utiliser. On a aussi la télécommande. Donc qui est ici, je prends la rouge parce que. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un point rouge ici, j'ai la télécommande rouge. Sur l'autre panneau LED, le rond est blanc, c'est la télécommande blanche. Donc tout simplement, la pile est fournie. On va tirer sur le petit bout de papier qui empêche la connexion. Et tout simplement, avec la télécommande, je vais venir régler pareil, on-off. Je descends l'intensité, si je reste appuyé. Ah, ça marche pas cette fois. Donc vraiment lâcher et appuyer, ça c'est dommage. Ici, je reste appuyé. Non, ça ne marche vraiment pas. Donc, chaque appui pareil de 10 en 10. En tout cas, c'est cool parce que je peux être un peu plus loin. Hop, si je veux éclairer ma scène, boum. Et hop, on augmente l'intensité. Ouais, c'est plutôt cool. Alors, à quoi ça sert? Parce que je pense pas que ce soit de l'éclairage principal, comme moi, je n'utilise pas. Je ne l'utiliserai pas comme éclairage principal. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est d'avoir à la place cette petite aperture qui est là, qui a plus de batterie d'ailleurs. Alors il est temps que je le change. Je vais venir me le placer ici comme ça. Et c'est lui qui va venir faire mon petit éclairage. Alors là, je crois que j'ai le bleu pour faire pareil. Ça va rester dans la même couleur. Vous voyez que très rapidement on arrive à changer les filtres, changer de couleur. Et je suis à peu près dans la même configuration que j'étais avec ma petite aperture. Donc voilà, moi c'est l'utilisation que j'en aurai. Je vais éclairer mon petit setup pour YouTube. Je vais utiliser pareil pour des petits plans pour des clients, surtout pour du produit. Je pense que j'éclairerai le fond. J'utilise, en tout cas, je vais pas dire que je l'utiliserai, mais je vais essayer de faire du portrait en jouant sur les filtres avec les deux lumières l'une à côté de l'autre. Ça peut être sympa. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de la grande qualité, mais c'est pas hyper cher non plus. Ça reste de l'entrée de gamme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, hein.
Ouais, ça peut... Je me regarde sur le retour. Ça peut être pas mal aussi de s'éclairer comme ça. Vraiment, sur une lumière d'arrière-plan, encore une fois. Donc, en tout cas, c'est quand même assez puissant. Hein. Ça, c'est bien par contre. La télécommande, ça me plaît bien. Donc voilà. Voilà où on en est sur sur ce pack Neewer. Donc le lien est en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.